On est presque arrivé. Il reste plus que 200 km à parcourir pour arriver en Roumanie. Départ de cette 10e Transylvanie. C'est une date historique, un super anniversaire. Il fait beau, il fait froid, moins 11 degrés. Le décor est magnifique. Les arbres sont gelés, c'est super beau. Il y a le soleil, c'est génial. Voilà, notre première étape demain matin, lever 5 heures pour tout le monde. À 6 heures, déneiger les voitures, les dégeler, les gratter, les charger, préparer les sangles, brancher les VHF. 6h30, petit déjeuner, copieux, parce qu'il faut tenir toute la journée. 7h, ça sera le départ. Et on ira attaquer la montagne. On ne connaît pas du tout l'enneigement, ça sera une surprise. Et à savoir que demain soir, pour la première étape, ça sera une nuit en bivouac. Donc exceptionnellement, vous n'aurez pas de vidéo dimanche soir. Vous aurez les premières vidéos lundi soir, à l'arrivée à notre hôtel, à Kampulung, au nord de la Roumanie, le long de la frontière ukrainienne. Voilà, nous allons enchaîner deux étapes avec ce bivouac dans les montagnes et il faudra supporter les températures polaires. Nous verrons bien ce que ça va donner. Voilà, je vous invite à nous suivre en nombreux et puis à partager notre aventure. Bon, on est bien là, il fait chaud. Il fait bon, regarde, on fait la planche. Je sais pas, il fait combien là? Là, il faisait pas très froid, il fait non, moins 2. Moins 2, ouais, mais l'eau moins est 2 à Satoumaret, et l'eau, elle est à moins 35 degrés. Ah ouais, facile, facile, ça fume, on est en extérieur, c'est géant.